Albert Cohen, je vous retrouve dans votre appartement de Genève et vous imaginez quel est notre plaisir. Et je me demande tout de suite, en vous voyant là, je me demande dans quel tiroir vous avez rangé votre prochain livre. Ben, vous voyez ici, il n'y a que des manuscrits. Il y en a combien là de manuscrits? Beaucoup, beaucoup, dont la plupart ont été abandonnés et que je laisse en me disant qui sait, un jour, l'un d'eux me plaira. Donc vous ne vous êtes jamais arrêté d'écrire? Jamais. Albert Cohen, je vous vois comme la dernière fois, là, en face de moi, dans cette pièce qui est la vôtre. Et tout à l'heure, votre femme disait, lorsqu'il va dans le salon, il est déjà à l'étranger. Et chez elle aussi, je suis à l'étranger. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir d'ici? Je sors rarement, mais je me trouve très bien. Et puis, il y a des amis qui viennent me voir. Il y a un tas de lecteurs français, surtout. Il en vient de Tours, de Bordeaux, de Paris, de la Côte d'Azur. On vient vous visiter? On vient me dire, on vient me remercier. On vous remercie pour quoi? Pour ce que vous avez écrit ou pour tout à fait autre chose? Pour le bonheur qui, disent-ils, je leur ai donné. Mais ce sont surtout des femmes. Et il y en a qui, après m'avoir quitté, après avoir vu ma moustache blanche et mon crâne dénudé, m'envoient des lettres que je ne peux pas appeler autrement que des lettres d'amour. Et je vois dans vos yeux quand même qu'il y a encore des coquetteries. À 85 ans, vous parlez des femmes avec plus que du respect. Mais je les aime tellement. Je les aime tellement. Mais elles vous ont rendu cet amour? Je me suis arrangé pour qu'elles n'aient pas à me le rendre. Parce que je suis fidèle à ma femme. Alors nous allons passer 5 heures ensemble. Et peut-être cette première heure, pourrions-nous la consacrer à votre testament? Je ne veux pas que vous partiez demain, hein, ce n'est pas du tout cela. Mais déjà, on sentait que vous aviez des choses à dire. Oui. Et je voudrais savoir quel est ce testament. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai voulu faire mon testament. Quand j'étais jeune, il y a de cela 60 ans, j'avais voulu pratiquer l'amour du prochain. Parce qu'il est déjà ordonné à ceux de ma race par l'Ancien Testament. Dans le Lévitique, j'ai oublié le numéro, mais c'était dans le Lévitique. Alors j'ai essayé d'aimer mon prochain. Je l'ai fait aussi bien que j'ai pu. Et puis un jour de vérité, je me suis aperçu que je me mentais à moi-même. Qu'on ne peut pas aimer son prochain. J'entends tout prochain qui passe devant mes yeux. Le conducteur du tramway, le facteur qui m'apporte une lettre recommandée. Eh bien, si je dis que je l'aime, je mens. Parce que aimer, c'est une chose, c'est un sentiment extrêmement grave et très beau. Pourquoi dis-je cela? C'est que celui qui aime son fils plus que lui-même, celui qui aime sa femme et qui est angoissé à l'idée qu'elle mourra avant lui ou qu'il mourra avant elle et qu'il la laissera seule et sans défense, celui qui préfère sa mort malgré tout à la mort du bien-aimé ou de la bien-aimée, cela est de l'amour, un amour vrai. Mais l'amour qui consiste à aimer le conducteur de l'autobus, parce que je l'ai vu et parce qu'il m'a regardé, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est de la complaisance. C'est un mensonge souvent honnête, mais c'est un mensonge et c'est bien simple. Celui que j'aime, s'il me demande la moitié de ma fortune, si je l'aime, je la lui donne. Si ma femme m'était enlevée un jour par un brigand et qu'il me demande tout ce que j'ai, je le donnerais. Mais ce n'est pas vrai que ceux qui aiment leur prochain répondent par oui si le prochain leur demande tout de leur fortune. Aimer, ce n'est pas aimer tout le monde.
Aimer, ce n'est pas aimer tout le monde. C'est un acte, cet amour du prochain, c'est un acte esthétique. On se sent heureux de sourire et on envoie des messages dentaires au bien-aimé. Quitte, s'il vous demande 1000 francs, lui dit, mais pourquoi? Mais je ne les ai pas, c'est pas possible, etc. Donc il n'y a pas d'amour du prochain. Il y a un amour du prochain. J'avais pour Marcel Pagnol l'amour du prochain. Je l'aimais autant que j'aime ma femme. Et ça m'est arrivé quelquefois, rarement. Il y a d'autres hommes, d'autres femmes que vous avez aimées autant que votre femme et que Marcel Pagnol. Il y a eu des femmes que j'ai aimées autant que ma femme. Vous le lui dites à votre femme ? Oui, elle le sait. Elle a lu mes livres. Elle se rend bien compte qu'elle n'est pas la première. Mais alors, me dis-je, il y a peut-être une traduction erronée qu'on a donnée à l'ordre du Christ et à l'ordre du Lévitique. Il y a une erreur très grande. Laquelle ? La suivante. C'est que par amour du prochain, on entend autre chose que l'amour que j'ai eu pour ma mère et que j'ai encore pour ma mère. On entend autre chose. Et ce que moi, j'entends par amour du prochain, je l'appellerai tendresse de pitié. Pourquoi tendresse de pitié? D'abord, parce que quand j'ai un humain devant moi, il se produit chez moi, je ne sais pas si ça se produit chez tout le monde, mais il se produit chez moi ce que j'ose appeler une transsubstantiation. Quand je vois Chancel, il se passe quelque chose d'étrange que je n'ai jamais compris et que j'ai toujours ressenti. Ce que j'ai appelé transsubstantiation. Je deviens lui. Je le devine. Je suis lui. La seconde marche vers la tendresse de pitié, qui n'est pas l'amour du prochain, c'est le fait, comme je me le disais une nuit, en dormant, dans un rêve, je me rappelle avoir entendu ces mots dans ce rêve que je faisais. Homme, innocent résultat. Résultat, oui, résultat de leurs chromosomes, résultat de leurs gènes, résultat de leur enfance, résultat de leur pauvreté, peut-être. Résultat, résultat. Ce qui fait qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui ne considère jamais quelqu'un comme coupable. L'homme n'est pas toujours heureux, alors qui est responsable? Au commencement. Il n'y a pas de responsable. On peut dire qu'une partie de sa famille, peut-être la manière dont il a été traité, ou la manière dont son chef de division l'a traité, qui a fait de lui un être rageur, un être jaloux, un être méchant. Mais ce n'est pas sa faute. Et c'est la deuxième marche vers ce que j'appelle la tendresse de pitié, qui est loin d'égaler en beauté l'amour. Et le troisième échelon, le plus sacré, le plus important, c'est que tout homme que je le vois mort. Je le vois agonisant, je le vois dans cette agonie qui est la dame d'honneur de sa mort prochaine. Et je sais qu'il grattera sa poitrine, qu'il essayera de défaire sa chemise de nuit pour pouvoir respirer encore une fois, c'est-à-dire vivre encore une fois. Eh bien, ce futur mort, je n'arrive pas à le détester. Je n'ai que pitié pour lui. Mais dans ce testament, Albert Cohen, vous indiqueriez comme belle lettre, vous inscririez en lettres d'or, il faut aimer son prochain. Je ne dirais pas il faut aimer son prochain. Il ne faut jamais obliger. Il faut avoir une tendresse de pitié pour son prochain.
Cela, je le crois tout à fait. Et avec une, peut-être une excessive fierté, orgueil, ben j'ai voulu, moi, étincelle entre deux éternités, j'ai voulu laisser ce que je crois être un vrai cadeau à ceux qui viendront après moi. Albert Cohen, vous avez 85 ans et je sais que vous avez une vie à vivre encore. Et vous la voulez, cette vie. Ah oui, certainement. Parce que, et je crois que c'est là votre secret, parce que vous êtes resté un enfant. Plus vraie parole à mon sujet n'a jamais été dite. Je suis un enfant. Pagnol me disait, Albert, tu te crois malin, mais c'est ta naïveté qui est admirable. Tu es un enfant. Il vous aimait, Pagnol. Oh, Marcel. Mais Marcel, c'est lui qui m'a réconforté d'un événement qui m'est arrivé le jour de mes 10 ans. C'est sa gentillesse, sa tendresse, le fait qu'on sortait ensemble en se tenant par la main, que je le raccompagnais chez lui, qu'il me raccompagnait ensuite chez moi. Comme j'étais plus riche que lui, je donnais un traitement. Un peu d'argent. Oui, un traitement de 10 sous ou peut-être d'un franc quelquefois. Mais chaque mois. Chaque jour, chaque lundi. À chaque lundi. Chaque lundi. Une fois, il était arrivé que j'ai oublié de lui donner le franc ou les 10 sous. Un lundi, il n'a rien dit, il était trop fier pour cela. Lundi passe, mardi passe, mercredi, il n'y tenait plus. Alors il est venu vers moi par une sorte d'orgueil, une sorte de sentiment de sa dignité. Il m'a demandé ce que je lui devais, pas en français, mais en allemand. C'était moins déshonorant. Albert, meine Rente, bitte. Oh, je le revois tous les jours presque. Comme il était. Je le revois entrant en classe, il était de demi-pence. Je le revois comme il entrait en classe. Je ne sais pas si on porte encore les blouses noires qu'on portait autrefois. Alors lui, il avait. C'était un orgueil bizarre que les élèves avaient. Certains mettaient un point d'honneur à avoir une blouse noire aussi déchirée que possible. Je ne sais pas, ça faisait donc César de Bazan. Comme ça. Ça faisait révolutionnaire, ça faisait en se fichant de tout. Ça faisait libre. Et il entrait, et il entrait toujours en dribblant en classe, en dribblant une balle imaginaire. Comme ça. Il vous disait des poèmes. Il me disait des poèmes, j'en sais par cœur. Je lui en ai lu un une fois, et il m'a dit, c'est pas mal ça, de qui est-ce? Je lui ai dit, de toi, monsieur. C'était lequel, vous vous le rappelez, celui-là? Oui. J'aurais voulu savoir manier le burin, rendre vivant le marbre ou l'albâtre fragile, ou d'un pouce savant modeler de l'argile, ou graver finement des médailles d'airain. Je n'aurais point sculpté Jupiter souverain, ni Phébus Apollo, père du grand Virgile, ni l'athlète, vainqueur au jeu d'un pied agile, ni le cheval nerveux qui frémit sous le frein. Non, ce que j'aurais fait de l'informe matière, de l'onyx, du bronze sombre ou de la pierre, c'est ton visage clair, rayonnant de beauté, ton visage pervers et puéril de femme. Et dans mon œuvre, j'aurais mis toute mon âme pour t'imposer, splendide, à l'immortalité. Signé Marcel Pagnol, 13 ans et demi. 13 ans et demi, hein. Et vous, Albert Cohen, vous avez composé des poèmes? Non. Vous n'étiez pas doué? Non, j'en avais composé un seulement, un très long, qui s'appelait « Dans l'antre de la négation ». Rien que ça. Oh là là, un peu difficile, hein.
Vous êtes surpris, étonné par l'intérêt que l'on porte à votre œuvre depuis quelques années. Oui, c'est extraordinaire. Les lettres que je reçois, Oui. Les lettres, mais c'est fou les lettres que je reçois. Comme nous parlons de ce testament que vous souhaitez laisser aux hommes, on peut se demander également quels sont les livres que vous aimeriez voir installés quelque part dans les bibliothèques, les livres pour vous les plus précieux. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un grand livre qui est une belle histoire d'amour, c'est le livre de ma mère. Bien sûr, Belle du Seigneur, mais peut-être vous, avez-vous pensé à d'autres ouvrages? Quel est pour vous le livre qui doit rester le livre d'Albert Cohen? Ah, tout de même, Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. Vous êtes donc l'homme dont l'écriture est portée aux autres. Et je me rappelle même, nous en avions déjà parlé tous les deux, je me rappelle que beaucoup vous ont proposé pour le prix Nobel. C'est une chose peut-être qui vous ferait plaisir. Beaucoup. Beaucoup pour ma femme. Ah, pour vous aussi, un peu. Si j'avais 20 ans de moins, ça m'aurait fait plaisir pour moi. Oui. Mais je sais que dans 2 ans, 3 ans, je serai raide, impliable, sous terre. Mais le Nobel, c'est quand même intéressant, non? Ah oui, certainement. Ouais. Mais enfin, je ne l'ai pas eu. Je vous ai dit, Madame Simone Veil l'a proposé... François Mitterrand. François Mitterrand. Le cardinal Marty. Le cardinal Marty. Le cardinal Marty. Le juif soutenu par le catholique. C'est beau. C'est beau, oui. C'est beau. Et puis des gens comme Maurice Genevoix, Joseph Kessel, Maurice Druon, je ne sais qui encore, enfin 5 ou 6. Dans le livre de ma mère, il y a de très 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 belles phrases. Il y a celle-ci, « Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. » Mais vous êtes moins seul. Vous me le disiez tout à l'heure, on vient vous voir. Oui. Vous... Ah, mais c'était une autre époque. Oui, mais... Donc tout a changé. Oui. Vous êtes peut-être plus heureux depuis... On m'aime beaucoup, on m'aime beaucoup. On vous aime plus ou on vous aime beaucoup? On m'aime plus depuis quelque temps. Est-ce que c'est le miracle pivot? Je ne sais pas. Je crois que ça a été important pour vous. Parce que vous le disiez aussi, dans les bruits finissants de la rue, on se console avec des mots. Et vous avez autre chose que des mots maintenant aussi. Il y a des remerciements, il y a tant de remerciements. Vous avez changé ma vie, me dit-on. Et puis, il y a des prêtres qui m'écrivent. L'Office chrétien du livre a recommandé la lecture du livre de ma mère à toutes les maisons d'enseignement chrétien et a demandé à tous les journaux chrétiens de le signaler. Mais c'est le livre de ma mère. Et puis, pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. Oui. Et vous la pleurez encore. Oh. À 85 ans. Bon, à 85 ans, je me rappelle tous les médicaments aimés de ma mère. L'alcool de Fioravanti, Baume Tranquille, j'aimais ce nom. Oui. Ça me calmait, du Baume Tranquille. Vous vous rappelez aussi les poèmes, les chansons de votre mère? Oui, mais c'était des chansons dans le langage que l'on parle à Corfou. Je suis né à Corfou. Mmh. Et à Corfou, les Juifs ne parle pas l'espagnol comme les autres juifs de la Méditerranée. Il parle le vénitien, parce que Corfou a été possession vénitienne pendant plusieurs siècles. Et les juifs sont très conservateurs en langue. Avec ma mère, j'ai toujours parlé corfiote, vénitien. Alors il y a des villes magiques. Corfou, c'est une ville magique. Marseille, c'est une ville magique. Ah, oui. Et Genève, c'est peut-être une ville magique. Oui. Ce sont vos villes ou il y en a d'autres? J'aime Londres. J'aime Londres. J'aime la politesse de Londres. Et puis je n'oublie pas une chose, c'est que quand l'invasion de la France par les Allemands a commencé, j'ai eu un visa pour l'Angleterre, mais pour moi seul, parce que j'étais le plus menacé. Et alors, quand je suis allé sur le bateau, j'ai dit cela à un ami à moi, Pierre Commer, que j'avais connu à la Société des Nations. Et il y avait là, en même temps, le correspondant du Times, qui s'appelait Thomas Cadet. Et apprenant que je n'avais pas fait venir ma femme et ma fille, parce que moi, étant le plus menacé, j'avais un visa et que ma femme et ma fille n'en avaient pas, ce Thomas Cadet, cet Anglais, s'est mis en colère contre moi. Il m'a dit, comment, vous pensez
que si votre femme et votre enfant étaient là, on l'empêcherait d'entrer en Angleterre, on la jetterait à l'eau. Faites l'avenir. Alors je me trouvais sur le bateau et ma femme était à 5 kilomètres, parce que le Verdon, les eaux sont trop basses, le bateau se trouvait loin du rivage. Alors je ne savais pas comment avertir ma femme, lui dire qu'elle pouvait monter. Alors une idée romanesque m'est venue. Il y avait une vedette qui faisait l'aller et venue entre le rivage et le bateau, qui s'appelait le Madura. Et le capitaine de la vedette accoste le long du bateau. Je descends par l'échelle mobile et je dis au patron, « Patron, il y a un grand service que vous pourriez me rendre. Ma femme, c'est une jeune dame blonde avec une petite fille de 10 ans. » Et alors je me suis dit, si je lui dis qu'elle viendra ainsi sans visa, il refusera de la faire venir. Je lui dis, elle est très belle, vous le verrez, mais elle est folle et sa folie augmente au bord de la mer. Elle a son visa, mais elle ne veut pas monter par folie. Je lui dis, écoutez, forcez-la. Il me dit, patron, soyez tranquille, je suis champion de lutte gréco-romaine. Et en effet, lorsque ma femme était là encore pour me dire au revoir, le type, paraît-il, ma femme m'a raconté ensuite, le type, elle a voulu l'attirer, et ma femme a dit, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Il n'y a pas de plaisanterie, il a dit, avec moi, ça ne marche pas. Alors il a tiré de force. Et il me l'a amené de force. Et c'est comme ça que votre femme est allée avec vous. Avec moi. Mais aujourd'hui, Albert Cohen, vous avez envie de voyager un tout petit peu. Bon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne sortiez pas de cette pièce. Nous sommes ici à Genève. Vous n'alliez même pas, ou très rarement. Non, j'aimerais venir à Paris. Mais alors pourquoi vous ne venez pas? Ben, je viendrai là. Vous voulez qu'on organise ça? Ben oui. Quand voulez-vous venir? Mai et juin. D'accord. Oui. On va s'en occuper. D'accord. Ça vous ferait vraiment plaisir? Oui, ça me ferait plaisir. Et il n'y a pas d'autre plus grand voyage que vous souhaiteriez faire? Aller voir ma forêt en Israël. À Jérusalem. Oui. Ah, vous savez, j'ai été fait docteur honoris causa. Oui, tout à l'heure, je me suis permis de regarder ce qui est accroché à votre mur. Vous êtes donc docteur honoris causa de l'Université de Jérusalem. C'est ça. Et une forêt vient d'être forêt, plantée. Aux environs de Jérusalem, il y aura un marbre. Cette forêt est en moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes passé presque sans transition de l'enfance à la vieillesse. Vous avez été enfant? Mais je le suis encore enfant. Toujours enfant, alors? Vous tenez à ce... J'aime bien les enfants, j'aime... Il m'est arrivé de jouer avec des enfants. Et au bout du livre de ma mère, il y a ces phrases que je vais vous lire. Des années se sont écoulées depuis que j'ai écrit ce chant de mort. J'ai continué à vivre, à aimer... J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai eu des heures de bonheur, tandis qu'elle gisait, abandonnée en son terrible lieu. C'est votre mère. J'ai commis le péché de vie, moi aussi, comme les autres. J'ai ri, et je rirai encore, Dieu merci. Les pécheurs vivants deviennent vite des morts offensés. Mais vous dites, j'ai commis le péché de vie. Il ne fallait pas mourir pour devoir parler d'elle comme vous l'avez fait. Oui, c'est un rachat. Et si quelqu'un de très haut placé vous donne encore 10 ans, comment vous allez les employer ces 10 années? Vous en savez écrivant, en écrivant. Donc vous ne vous arrêtez pas? Non. D'ailleurs, lorsque vous dites que je suis un enfant, je dois dire que je le sais, parce que vous l'avez écrit. L'enfant que je suis, l'enfant que je serai toujours. Et cela fait partie peut-être du testament. Les hommes devraient tous rester des enfants, c'est ce qui pourrait les sauver. Oui, quoique enfin, il ne faut pas être un enfant pour... penser au fait que les hommes ne sont pas responsables, enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Mais alors il y a aussi je vieillis, que c'est un plaisir. Ça c'est joli. Oui. J'ai des colères contre ceux qui m'enterreront, parce qu'ils ne me mettront sûrement pas le plus beau de mes costumes. Ils mettront celui qu'on peut bien mettre dans un cercueil, c'est pas, s'il est un peu déchiré, ça ne fait rien. Tandis que j'en ai de si jolis. Vous voudriez choisir lequel? Un gris léger. Mais en tout cas, ce ne sera pas la robe de chambre. Non, non. Car ça, c'est la robe de chambre, c'est l'habit de cérémonie pour la vie. C'est pour la vie. Hein? Et l'autre, c'est pour la mort.
Alors d'ailleurs, vous l'écrivez, drôle, je vais mourir et je serai seul et gourd dans ma boîte et ma terre. Donc vous y pensez sans arrêt. Tout le temps. Mais non. Ça ne m'enlève pas ma joie. C'est ça. Parce que je savoure l'adjectif impliable, par exemple, quand je parle de moi. Vous ne pouvez pas être cassé. Oui, oui. Et peut-être tout cela remonte-t-il vraiment à l'enfance tout à l'heure. À l'enfance. Vous avez parlé des 10 ans tout à l'heure. Et j'ai pensé moi au camelot qui vous a fait mal. Oui. Vous savez celui qui a dit sale juif. Après le camelot, j'ai décidé de ne plus sortir de chez moi. Je me suis dit, ça c'est ma petite France, ma chambre. J'avais des livres de romanciers français. J'avais un livre de Zola, j'avais un livre de Louis Boussenard. C'est un illustre inconnu, mais il a écrit pour les enfants des histoires de voyage. Et alors je me disais, bien, ici je suis en France, dans ma petite France à moi, avec mes écrivains. Mais c'est Pagnol qui m'en a sorti. Parce que c'était arrivé pendant les vacances, et quand le moment est venu de retourner à l'école, j'ai raconté ça à Marcel. Marcel m'a dit de ne pas faire attention. Et d'ailleurs, il m'a dit, les juifs, c'est une sorte de protestants. C'est la même chose. C'est des protestants. Quand ils vont dans une autre église, c'est la même chose, il m'a dit. Ça m'a rassuré. Et vous croyez qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est encore vrai, existe? Vous comprenez, il y a bien des raisons à l'antisémitisme. Il y en a une très importante. C'est que pendant 2000 ans, nous avons été un étranger, et un étranger sans pays. Or, les étrangers, on les déteste dans tous les pays. Je n'ai qu'à vous rappeler, sale anglais, sale français, sale suisse, sale italien. C'est comme ça qu'on parle des étrangers. Mais ces étrangers-là ont une force, et l'homme craint la force. L'homme respecte la force, tandis que moi, je la déteste. Et ils ont une force qu'ils peuvent aller chez eux. Les juifs n'allaient jamais chez eux, étaient toujours des étrangers. C'est pourquoi Israël est une bonne chose. Le 17 mars, parce que vous avez écrit dans vos carnets au jour le jour, enfin dans vos carnets, vous notez qu'à la radio, un monsieur religieux parle de la douleur. C'est un froid, dites-vous, et Dieu devrait le punir. Il dit des mots bienfaisants pour m'encourager, mais aucun de ces mots n'est de lui. Tous les mots qu'il dit sont faux, empruntés à des emprunteurs. Il ose dire que la douleur est bienfaisante, ce menteur, cet idéaliste est un indifférent et en fin de compte un vénard. Il se la coule douce en ce monde, sûr de sa survie. Vous n'estimez pas, vous ne voulez pas qu'on parle de la douleur n'importe comment. Parce que la douleur vraie est physique. Est physique. On n'a plus faim. On n'a plus envie de manger. Et ça, c'est une activité tellement imminente de vie que de manger. Eh bien non, j'ai eu des périodes où je ne mangeais plus. Mais aujourd'hui, ça va très bien. Ça va très bien. Et d'ailleurs, un jour, en vous réveillant, c'était le 2 janvier 1978, vous aviez fait un rêve prémonitoire. Oui. Pour vous rappeler, oui, vous aviez la sensation que vous alliez mourir dans l'année. Oui, ce rêve, c'était ceci, une forme noire marchait devant moi. Je voulais la rattraper, elle marchait lentement et je n'arrivais pas à la rattraper. Et je me suis réveillé et j'ai su que j'allais mourir. Or, quelque temps après a commencé une maladie qui a duré 1 an. Mais pendant 6 mois, je n'ai pas voulu manger, j'ai beaucoup maigri et j'attendais la mort. Ma femme se souvient de tout cela. Et j'étais triste et j'ai écrit une partie du livre pendant que j'étais dans cet état. Ah, on comprend mieux. C'est pendant que vous étiez dans cet état que vous écriviez ces phrases. Et puis il y a, et je le disais tout à l'heure, puisque cette première heure, nous la consacrons à ce testament, et vous avez dit tout à l'heure quel il était, ce qu'il était, mais il y a également toutes les interrogations, et je dois dire que vous n'en avez pas encore fini avec vos frères humains. Ils me tourmentent, ils m'écrivent presque tous les jours. Ils demandent de venir me voir, ils me disent que je leur ai rendu la joie. Il me remercie. Il y a eu une chose extraordinaire. Une femme qui est venue avec son fiancé et qui, quand elle est partie, le lendemain m'a écrit une lettre que j'ai encore. Incroyable. Une lettre d'amour?
Je veux la lire, vous voulez vous Oui, oui, d'accord. Monsieur, tout à coup, au sortir de chez vous, je me suis rendu compte qu'avec cette volonté si ferme d'aller vers vous, je me suis donné une nouvelle raison d'être triste et de sentir plus précisément que je suis seul et que je manque de quelqu'un. Cette lettre est datée de septembre 1979. Aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de blasphématoire à vouloir que se plaquent des images sur les mots que vous avez écrits et qui font le plus grand texte d'amour. Je suis passé de l'amour de ces lignes à, pardonnez mon insolence, à l'amour de vous. Alors, c'était l'année dernière, vous aviez... Septembre... 79, oui. 1979. Vous aviez Albert Cohen, 84 ans. 84 ans. C'est une lettre de femme. D'amour. Une lettre d'une femme qui a 30 ans. Oui. Êtes-vous étonné par tout cela? Vous êtes d'abord heureux, car vous avez suscité un sentiment, et je sais que beaucoup qui ont lu Belle du Seigneur peuvent parler de la même manière. Alors comment le recevez-vous, cela? Je le reçois comme un hommage, comme une lettre d'amour, mais j'en ai beaucoup de lettres d'amour. Et cela vous plaît? Ça plaît moins à ma femme. Mais je suis allé tout à l'heure lui demander si je pouvais vous lire un passage d'une de ses lettres. Elle a accepté sans un enthousiasme très grand. Oui, mais peut-être vous vous plaisez à cette coquetterie. Peut-être vous vous plaisez un peu à la rendre jalouse aussi, non? Absolument pas. Non? Ah non, absolument pas. Chez moi, si je lui lis, par exemple, ses lettres, oui, c'est comme un enfant qui est content de montrer à sa maman son premier prix de grand-mère, son premier prix de récitation, c'est tout. Et vous m'avez dit, parlant d'elle tout à l'heure, une très très jolie phrase, c'est-à-dire que chaque jour pour vous... Et le premier jour de notre amour. Premier jour des noces. Le premier jour. J'ai compris en vous lisant, et je sais en vous écoutant, que vous avez donné beaucoup d'amour, et je me demande si vous n'êtes pas dans le même temps prêt à ne rien recevoir. À ne rien recevoir de qui? Des autres. Comme si vous aviez tout à donner, plus qu'à recevoir. Oh non, j'attends encore de ma femme tous les jours. Tous les jours, elle me donne quelque chose de plus. Vous attendez des autres aussi. De ceux qui vous disent, par exemple, que vos livres me sont une patrie. Ah oui. C'est beau lorsqu'on reçoit un compliment comme celui-là. Oui, c'est beau. J'ai reçu de cette personne dont je vous ai lu, pas celle que je vous ai lue tout en entier, enfin... Un peu de la lettre, parce que la lettre est très longue. Oui, mais elle est très belle. Vous voulez que je vous la lise, l'autre? Mais il ne faut pas le prendre. Non, on va être un peu discret, là. Hein, parce que j'ai vu que vous gardez toutes ces lettres, car elles vous sont des souvenirs. Ah, mais bien sûr, elles sont le plus... véritable réception de mes livres. Parce qu'enfin, vous savez ce que disent les critiques dans les journaux. C'est ça qui est important. Mais vous êtes sensible à la critique, à ce qu'on dit. Ah oui, bien sûr. Vous avez toujours été bien accueilli, d'ailleurs. Très bien. Même de M. Guissard, par exemple. Dans La Croix, toujours. C'est toujours très bon. Ou M. Guissard, ou une jeune femme qui comprend très bien, j'ai oublié son nom. Et je suis très touché par Guissard, qui a fait une allusion, enfin, comme si j'étais un annexe à la Bible. Vous êtes attentif au mouvement du monde, vous écoutez la radio, vous regardez bien la sûr, télévision, vous sûr, lisez les journaux. Bien sûr, je déteste, enfin, je déteste, c'est un mot trop faible. J'ai horreur, peur de l'enfer. Soviétique. C'est affreux. J'ai peur pour l'avenir de l'humanité. C'est le monde communiste qui vous fait peur? Oui. Enfin. Je crois pouvoir dire, et je l'ai esquissé tout à l'heure, vos deux miracles sont vraiment Belle du Seigneur et Le Livre de ma mère. C'est, pour ces deux livres, les femmes vous aiment.
Et d'ailleurs, vous devez le savoir, et peut-être pouvez-vous expliquer les raisons de ce miracle. Oh, que de fils m'ont écrit, que des fils m'ont promis qu'ils allaient changer avec leur mère. Ils m'ont remercié surtout d'avoir dit cette chose si simple, que les mères sont mortelles. Ce sont des miracles, c'est vrai. Je vous demandais pourquoi les femmes aimaient vos livres. Ah oui, parce qu'elles se sont trouvées elles-mêmes dans mes femmes à moi. Et ma femme a reçu des confidences de ses anciennes collègues du Bureau international du travail qui lui ont dit, mais comment c'est-il ces choses-là? Comment c'est-il ce que nous faisons, ce que nous pensons? Comment nous aimons? Vous avez mieux connu les femmes que les hommes. Peut-être. Vous étiez plus sensible. Peut-être. Oui. Voyez-vous, je suis entré dans le royaume des femmes un peu parce que quand une femme aime, elle cesse d'être antisémite. Cette affaire qui m'est arrivée à l'âge de 10 ans a laissé une trace très forte sur moi. Je me rappelle que je marchais dans les rues de... C'était véritablement une espèce de traînée de passion douloureuse. J'avais compris que j'étais un méchant. Je croyais que mes parents étaient des méchants, puisque tout le monde me le disait. Vous aviez peur d'entendre la sale petite phrase. Oui, puisque je voyais mon rang juif. J'ai même vu, à la devanture d'une épicerie, rue Longue des Capucins, à Marseille, j'ai vu un alcool, un apéritif nommé l'anti-juif. Terrible. C'est pas croyable. Et alors, je me suis un peu consolé en marchant dans les rues noires, parce que c'était tard, ça devait être à ce moment-là 10h ou 11h du soir. Je me disais, un jour, je leur raconterai ça. Je le leur dirai. Pour quel livre avez-vous le plus de tendresse? Moi, je vous ai dit ce que je pensais de Belle du Seigneur, du livre de ma mère, mais il y a également Solal, il y a Mangeclou, il y a Les Valeureux, il y a Au Vous, Frères Humains, il y a les Cardet. Peut-être est-ce Solal, parce que vous êtes Solal. On me dit cela, non. Solal n'a jamais rien écrit, et je n'ai pas connu autant de femmes que Solal. Quand même, vous avez prêté à Solal beaucoup d'aventures, vous en avez fait un séducteur, vous en avez fait un homme qui avait le sens du rire et de l'humour. Oui, ma première vraie femme, j'avais 15 ou 16 ans. Elle s'appelait, enfin, je ne dis pas son nom, c'est pas la peine. Elle était cantatrice. On avait organisé à la fin de l'année scolaire, on avait organisé un concert, une fête, oui. Où il y avait des chanteurs et des cantatrices. Alors, une cantatrice était très belle, et le garçon de 15 ou 16 ans, je devais avoir plutôt 16 ans, s'est avancé vers elle quand elle a fini de chanter, elle l'a remercié et lui a demandé de prendre le thé avec lui. Et le plus beau, c'est que l'oriental, le jeune oriental que j'étais, ne savait pas quelles étaient ces cérémonies de thé. Qu'est-ce qu'on faisait? On ne buvait jamais de thé à la maison. Et elle m'a donné rendez-vous chez Granon, ou Granier. C'était la grande pâtisserie-crèmerie de Marseille. Et j'ai demandé à ma mère 20 francs. Ce qui, à l'époque, était grandiose. Elle m'a donné un louis d'or. Et alors, je suis allé à cette crèmerie, pâtisserie, Granon. Et alors, à mon étonnement, je l'ai vue avec sa sœur qui était venue. Sa sœur mariée, elle était cantatrice à l'Opéra de Marseille. Elle était belle, elle était jeune. Son prénom était Amélie. Et j'ai été au-dessous de tout, parce que je l'ai regardé beurrer leur tartine et mettre de la confiture dessus. L'oriental que j'étais ne comprenait pas ça, parce que la confiture, ça se mange comme ça. On n'a pas besoin de mettre du gras dessus. Alors j'ai fait comme elle, j'ai mangé du gras confituré. Et elle me regardait, de temps en temps, elle se parlait, elles avaient des fous rires. Et tout de même, à la fin, quand c'était fini, qu'elles m'ont remercié, j'ai dit à Amélie, la prochaine fois, vous venez seule. Elle est venue seule.
Et c'est votre premier amour. Et tout à l'heure, nous parlions des interrogations. Il y a le mot que personnellement, je crains d'appeler, que je ne dis pas, ou que je ne dis que rarement, et que les autres proclament, et que vous lancez. Ce mot, c'est Dieu. Alors là, c'est la grande interrogation pour vous. Ça, c'est ma grande affaire, parce que je suis plein de Dieu, et je n'y crois pas. Et continuellement, il est en moi, je le veux. Et chaque fois, je ne crois pas. Je finis par ne pas croire. Et une chose qui me réconforte, c'est qu'en somme, il existe. Pourquoi ? Israël n'est pas l'élu de Dieu. Mais Dieu est l'élu d'Israël. Tous les peuples se sont donnés un Dieu. Les Grecs ont cru bon de choisir comme Dieu un vieux marcheur qui s'appelait Zeus, qui aimait les femmes, qui aimait les petits garçons, qui aimait Ganymède. Enfin, un vieux salaud. C'était l'image du grec. Mercure était le dieu des voleurs. Ça fait bien. Alors, il se trouve que notre Dieu à nous, c'est-à-dire enfin, la projection prophétique vers le ciel que nous appelons Dieu, il se trouve que c'est un Dieu saint, que c'est un Dieu qui veut que l'homme devienne humain et qu'il quitte la pelure d'animal, de bête qu'il a, la pelure naturelle. J'ai horreur de la nature. À ce point-là ? Horreur. La nature, qu'est-ce que c'est ? La nature, c'est manger pour vivre, tuer pour vivre. Continuellement, c'est une lutte. Dès que le soleil paraît, il y a des petites bêtes, les grandes. Tout ce qui est nature essaye de tuer pour manger. Et vous pensez que ça ne peut pas s'arranger ? Et alors, ce que je trouve beau, c'est que devant le Sinaï, un jour, un homme, un inconnu de mon peuple a décidé follement qu'il ne voulait pas être de la nature. Il ne voulait pas être de ce royaume de la violence, du vol, du crime, de la tuerie, de la force. Et comme l'ennemi connaît bien l'ennemi, c'est curieux que Hitler ait dit à Rauschnig, l'Arien est près de l'animal. Tandis que le juif est hors de la nature, ne fait pas partie de l'ordre naturel. Et c'est vrai, cette loi, elle est surtout une loi de défense. Elle ne dit pas beaucoup, soit ceci, soit cela. Elle dit ne sois pas, ne sois pas cela. Et ce qui caractérise le peuple juif, qui a vécu 2000 ans seulement grâce à un livre, qui est son livre, qui a été sa terre, qui a été sa patrie, eh bien, ce livre est tout entier contre la nature. Tu ne tueras pas. Albert Cohen, vos parents vous enseignaient la foi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais un mot ? Ils étaient croyants, ma mère surtout, mais non. Il n'a jamais été question vraiment de problèmes importants. Ma mère croyait dans Dieu d'une manière très simple. Tout est venu de moi. Que faisait-il dans la vie, vos parents ? Oh, mon père était un pauvre commerçant. Mon grand-père était un homme très riche qui a perdu toute sa fortune parce qu'il n'a pas voulu se mettre aux manières modernes. Il était le seul fabricant de savon de toute la Grèce. Ses fils lui avaient proposé, voyant que la concurrence commençait, lui avaient proposé de ne plus faire des bouts de savon ronds, complètement ronds, parce que c'est difficile à tenir. Il vaut mieux qu'ils soient rectangulaires. Et puis, ils lui ont demandé de les parfumer, d'en faire en tout cas des parfumés. Il s'est fâché. Il s'est fâché, il a dit qu'il ne veut pas faire de savon pour les courtisanes. Et il a tout perdu. Il a tout perdu.
C'est un beau nom, Cohen. C'est un beau nom. Mon arrière-arrière-arrière-oncle, c'est Moïse. Et mon arrière-arrière-grand-père, c'est Aaron. Parce que Moïse avait la langue embarrassée. Alors, il faisait dire toutes ses ordres par son frère Aaron. Et nous sommes les Aaronides, les Kohanim. C'est nous qui bénissons le peuple à la synagogue. Vous êtes fiers de ce nom? Alors, nous sommes les seigneurs et les sacerdotes. Ce n'est pas le rabbin qui bénit, c'est toujours un Kohen qui bénit. Alors, vous avez l'écriture, et je me demande si vous l'avez eue dès le départ. Et si vous avez sacrifié au sport, par exemple, je sais que vous avez beaucoup sacrifié à l'amitié. À l'amitié, au sport, jamais. Vous n'aimez pas le sport? Non. Pourquoi? Elle me fatiguait assez, vous savez. Les femmes? Oui. Si je devais encore partir manger, travailler tout seul, me masturber par de l'exercice, ce serait affreux. Vous avez toujours eu un peu la peur de la force physique, hein? J'ai l'horreur de la force physique, j'ai l'horreur de l'admiration de la force physique, j'ai l'horreur de l'admiration de la force sociale. Parce que tout cela, la force, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est le pouvoir de tuer. La dernière preuve, c'est le pouvoir de nuire ou de tuer. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. J'ai gardé un souvenir si affreux de la manière infirmière, douce, heureuse avec laquelle les attachés de cabinet tempêtent d'une main infirmière la signature de leur chef. Les sourires ravis de voir la reine d'Angleterre inaugurer un bateau, je trouve ça affreux. Les bains de fous, c'est abominable. Mais vous savez, les singes ont des bains de foule, les chimpanzés ont des bains de foule. Quand le général ou le président, le plus grand, le plus fort, vient prendre un bain de foule, tous le touchent et puis se mettent en position féminine de réception sexuelle. C'est la manière de dire, nous sommes tes servants. Tu es le grand, tu es le beau, tu es le puissant. J'ai horreur de l'amour, de la force chez la femme. Que de fois j'aurais voulu simplement, au lieu du sourire cruel qu'elles aiment, leur apporter le petit déjeuner du matin. Non, ça leur aurait déplu. Elles auraient perdu une espèce de mystique. Enfin, vous n'aimez pas la foule, vous préférez l'homme seul. Vous pensez que la foule est lâche. Je pense, ce qui est affreux, c'est vouloir toucher la main du puissant, toucher le bras. Cette admiration de la force dont l'essence est en fin de compte le pouvoir de nuire, c'est-à-dire de tuer, en fin de compte. Et puis, votre amour est tout à fait ailleurs, votre inquiétude, votre recherche, d'ailleurs, elle est tout à fait dans cette phrase. Oui, frère, forcez-moi à croire, mais donnez-moi de bonnes raisons. Voilà, vous voudriez de bonnes raisons. Voilà. Alors, on ne vous les a pas données. Je n'ai jamais trouvé de bonnes raisons, c'est pourquoi j'en viens à ceci. Il y a un Dieu que je révère, c'est le Dieu que nous avons fait avec notre amour, notre force, avec la flamme prophétique projetée vers le ciel. C'est Dieu. Et comme il est le résumé de mon peuple, comme il est le résumé de la haine de nature, de la haine des péchés de nature, c'est le Dieu que je respecte. C'est la manière dont l'athée peut se sentir religieux. Enfin, vous attendez surtout celui qui va vous apporter la paix, celui qui va vous apporter la joie. Oui, ça non. Moi, en tout cas, je ne crois pas à ces choses de Messie. Non, vraiment pas? Absolument pas. Absolument pas. Vous cherchez toujours les bonnes raisons. D'ailleurs, il y a cette autre phrase, « Forcez-moi à croire en une vie éternelle. Ah, » oui. Et encore, « Donnez-moi de bonnes raisons. » Oui, oui, c'est ça. Oui. Parce que pour me dire la vérité de la vie éternelle, ils emploient des raisons affreuses. Des sentiments profonds qu'ils ont, que c'est la vérité qu'ils ont, qu'ils sentent que c'est vrai, etc. Et avec ça, madame, faut-il vous les envelopper? J'ai très bien compris et je l'ai très bien entendu lorsque vous me l'avez dit tout à l'heure,
Il y a surtout pour vous la tendresse de pitié. Oui. Et la tendresse de pitié pour vous passe par plusieurs voies, et dont celle peut-être la principale, celle du pardon vrai. Oui. Ah, le pardon tel que je le conçois, moi, est un vrai pardon. Mmh. Tandis que le pardon, ceux d'autres religions pratiquent, c'est un ordre qui leur est donné. Mais leur inconscient reste et ils se forcent à pardonner. François Mauriac a dit, je pardonne, oui, mais je n'oublie jamais. Ce qui est la négation même du pardon. Donc ne plus haïr importe plus que l'amour du prochain. Ah oui, ah bien sûr, parce que ça c'est possible. Ça n'empêche pas la tendresse de pitié. Parce que quand je vois un homme vivant et que je sais que ce malheureux dans 30 ans sera à rien, j'ai pitié de lui. Tout au long de vos livres était si grave que l'on peut se demander si vous avez été un enfant joyeux, gai. Et pourtant, Solal, dans Solal, il y a du rire, il y a de l'humour. Oui. Mais vous l'avez été, cet enfant gai qui par exemple, faisait des canulars, racontait des histoires? Non. L'aventure de mes 10 ans a joué un rôle très, très grand. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi n'avez-vous jamais mis les pieds en Israël? Bon, je sais vrai, vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a maintenant une forêt qui porte votre nom. Mais j'aurais été curieux, moi, à votre place. Oui, je sais. Mais aussi longtemps qu'il a fallu que je gagne ma vie, je l'ai gagné ma vie dans les organisations internationales. J'ai été chef de division à l'ONU. Il fallait vivre, il fallait gagner sa vie. Et au moment où j'étais libre, j'ai commencé à être un homme de mauvaise santé, de solide mauvaise santé. Alors lorsque vous avez choisi la Suisse, c'était l'exil? Parce qu'on a parlé des villes magiques tout à l'heure, on a parlé de Corfou, de Marseille, oui, de Genève. Voilà comment je suis venu en Suisse. J'avais eu des troubles, des urticaires violents, surtout le corps. Et mes parents, comme tous les juifs, ont fait venir le plus grand professeur, qui est venu de Montpellier, qui s'appelait le professeur Grasset, et qui a dit que le meilleur traitement qu'il pouvait me conseiller me serait donné à Divonne. Je suis allé à Divonne. À Divonne, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, d'une jeune genevoise, et à mon retour à Marseille, j'ai dit à mes parents qu'il y avait une vraiment très bonne université, qui était celle de Genève. Et alors je suis venu à Genève, à cause de Sophie. Il y a toujours une femme dans votre vie. Il y a toujours une femme. Toujours une femme dans votre parcours. Toujours une femme sur votre chemin. Après Sophie, ce fut la comtesse de Fonsec, née Almachi. Alors celle-là, j'avais 19 ans. Un jour à Bâle, elle me dit, je n'avais rien fait, on parlera de toi un jour. On parlera de toi un jour. Mais pourquoi? Tu verras, on parlera de toi. Alors, elle a été un peu ma mère. Elle m'a appris l'occidentalisme, elle m'a appris les manières dont je manquais complètement. Mais tellement gentiment, elle le faisait. Vous les avez revues, toutes ces femmes? Non, elle a dû retourner en Hongrie, elle devait revenir, mais elle attendait que je la rappelle, mais j'étais pris par quelqu'un d'autre à ce moment-là, alors je ne l'ai pas fait revenir. Vous étiez très changeant quand même. C'est touchant, elle m'avait envoyé une photo d'elle où elle s'était fait belle, la plus belle possible, décolletée. Mais non. Mais c'était terrible l'amour que vous aviez pour votre mère. Et c'est encore terrible aujourd'hui parce qu'elle est la première en tout. Avant votre femme, avant votre fille. Oh, oui. Oh, jusque-là. Oh, oui, certainement. Votre mère morte. Oui. Mais votre mère vivante. Oui. Vous parlez rarement de votre fille. Il y a de certaines raisons, mais j'aime ma fille, bien sûr que j'aime ma fille. Elle est belle et elle a même du talent. Mais c'est difficile aussi d'écrire, d'être écrivain lorsqu'on est la fille d'Albert Cohen. Elle a écrit un livre qui n'est pas mal, intitulé « Monde chat », où elle parle de tous ses chats, elle en a 15. Et alors, chacun de ses chats a tellement bien compris tous les sentiments, toutes les petites manies. Toutes les petites tendresses, si différentes les unes des autres. C'est un beau livre. Vous n'avez pas de chat, vous n'avez pas de bête autour de vous. Vous n'aimez pas. Non, on n'aime pas. Et il y a aussi, et cela pourrait faire partie de votre testament, il y a ce que vous m'aviez raconté, ce que vous avez écrit d'ailleurs, cette peur que vous aviez d'être enterré vivant. Oui.
Vous n'avez plus cette peur. Mais c'était la même peur, cette même peur que je sois enterré vivant. C'est pourquoi j'avais demandé à ma mère de me donner un coup de revolver ou un coup de couteau. Parce que j'avais cette vision continuelle de moi dont le nez touchait la planche supérieure et qui entendait venir un vivant, un chanceux, qui entendait venir. Et je me disais, il est là maintenant, il est juste au-dessus, je l'appelle. Jamais il ne m'entendait. Alors par testament, vous aviez demandé que... J'avais demandé qu'on me débarrasse de la vie à coup sûr. Et après, j'ai ajouté ce codicille qu'on me mette dans une petite cahute avec un téléphone. C'est-à-dire quand je sortais de la catalepsie, je téléphonais. Pour dire je suis vivant. Je suis vivant, venez me chercher. Venez me chercher. Albert Cohen. T'es un fou. Nous allons dire bonsoir pour aujourd'hui. Nous allons nous donner rendez-vous demain. Alors demain, oui. Nous nous retrouverons et demain nous parlerons de votre itinéraire. Nous parlerons de l'enfant que nous avons été. Oui. Alors je donne rendez-vous à tous demain avec, et heureusement pour nous, une fois encore et jusqu'à la fin de la semaine, Albert Cohen.